Bonjour les amis, nous allons donc commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui a pas une très très belle configuration graphique suite à la hausse d'hier en matinée et qui s'est concrétisée petit à petit par une bougie baissière, hein, un marteau qui n'augure rien de vraiment rien de bon. Par contre, Directional Index Mouvement était passé acheteur, hein, sur la hausse de la matinée, ce qui nous laisse penser que la configuration est, on va dire, très neutre sur le CAC 40. Donc j'ai quelques valeurs sous surveillance ou des valeurs que nous avons en portefeuille comme AXA, là où on voit le graphique, là vous avez le graphique d'AXA sous les yeux, on voit qu'il y a donc ce gap là qui va être quelque chose de difficile à combler, voire dépasser. Par contre, si nous étions en capacité de voir les cours osciller au sein de ce gap, on pourrait envisager effectivement un retournement haussier sur ce titre. Ceci dit, c'est un titre qui verse un dividende généreux, une société solide. Donc c'est une société qu'on peut acheter hors pensée graphique, tout simplement en accumulant le titre. Je pense qu'on peut accumuler entre les cours actuels et le plus bas qui était ici, sur les 21 euros. Donc on va dire qu'on peut accumuler entre 21 et 23 euros ce titre à bon compte. Alors, une autre valeur intéressante, c'est Coface. Donc, chaque fois que ce titre verse son dividende, puisque Coface est une société qui verse vraiment un généreux dividende, puisqu'elle verse la totalité de ses gains aux actionnaires. On voit ici que quand le coupon est détaché, et ça c'est le cas pour toutes les sociétés, mais on voit un immense gap, ce qui était le cas pour AXA d'ailleurs tout à l'heure, hein. Un immense gap, et puis ensuite la valeur vit sa vie, et ensuite elle commence à intéresser les gens puisque le dividende commence à être en vue, elle vit sa vie, on a ici, je l'ai pas tracé, mais on a aussi encore un gros gap. Et ensuite, là, on avait vraiment une période de baisse, vive remontée. Et là, on a ce gap qui nous permet d'imaginer un petit peu le même scénario. Donc, c'est une valeur qu'on accumule aussi sur le long terme. Là, ce gap et une bougie rouge nous permet de penser qu'on ira peut-être un petit peu plus bas. À mon avis, guère plus. Et si on allait... Si on allait plus bas, ce serait l'occasion de vraiment la mettre en portefeuille. Autre jolie valeur que j'ai en surveillance, et d'ailleurs on a commencé à acheter ce titre, c'est L'Oréal. Alors L'Oréal, sur ses plus hauts qui étaient sur les 400, je pense qu'on était sur les 430 pratiquement, à vraiment beaucoup morflé, puisque de 430 on la trouve à 307 aujourd'hui. Alors à partir de ces prix-là, effectivement, c'est vraiment une valeur de croissance qu'on peut mettre en portefeuille sans grand risque, malgré le retrait de L'Oréal en Russie, qui n'est pas non plus le plus gros marché de L'Oréal. Alors je vous ai marqué ici, je vous ai tracé les trends sur lesquels je pense qu'on peut continuer à acheter. C'est-à-dire qu'on va pas faire de la DCA sur L'Oréal à n'importe quel prix. On va attendre tout simplement des supports qui vont nous permettre d'imaginer qu'il y aura des rebonds sur ces supports. Donc on est carrément sur ce support-là. Nous, Power Trade, on en a acheté avec une partie de nos dividendes Coface notamment, l'histoire d'investir un petit peu les dividendes qu'on touche. On reste pas mal en liquidité quand même sur Power Trade par les temps qui courent. On a encore ici sur 289 euros une zone où ça peut rebondir et ensuite on tombe directement à 369 euros.
Et ensuite, je dirais qu'il n'y a rien pratiquement jusqu'à 225 euros. Et là, je pense que là, il faudra commencer vraiment à s'intéresser très fortement à la valeur si elle avait la possibilité d'aller jusque-là, ce que je doute. Et ensuite, je ne pense pas qu'on irait en dessous de 196 euros. Et par contre, si on était sur cette zone 196-225 euros, tout rebond serait certainement fulgurant, on aurait des très très gros rebonds sur ces zones-là, et je ne pense même pas trop possible qu'on aille se promener par là. Ceci dit, en termes graphiques, on a une magnifique tête-épaule, et les têtes-épaules sont des figures graphiques baissières. Vous avez les épaules ici, la tête ici, la deuxième épaule ici, donc vous avez deux épaules, une tête, et ça devrait nous amener, je pense, vu que la configuration est pas mal baissière, sur 269 euros. Si ce premier trend était cassé, je pense qu'on irait certainement, possiblement, sur les 269, 270 euros. Alors, autre valeur sous surveillance, Taiwan Semiconductor. Alors, elle est sous surveillance parce que nous l'avons au portefeuille déjà et que, alors là, on a fait des trades hein, sur cette valeur gagnant où on était sorti, mais là, on est scotché sur cette valeur, donc on a des pertes en fait hein, sur cette valeur. Mais je ne m'inquiète pas outre mesure car on a vraiment une grosse phase baissière qui devrait, par rapport à la qualité de cette valeur, nous occasionner des rebonds. Aujourd'hui, les cours affichés sont tout simplement le reflet de l'inquiétude des opérateurs sur ce titre de par une guerre taïwanaise avec la Chine. Moi personnellement, je suis pas du tout, je suis pas du tout partisan de ce projet de la Chine. Je pense que la Chine n'a pas intérêt à envahir Taïwan, tout du moins aujourd'hui. D'ailleurs, l'Ukraine en est principalement la preuve. Si on fait un petit zoom sur cette valeur, on voit que la valeur a tendance à se redresser là depuis quelques jours. La bougie d'hier, vendredi, là, n'était pas belle du tout, mais on voit qu'il y a eu une remontée quand même. Donc, ça nous laisse un espoir de voir cette valeur rebondir. Comme je vous le dis, elle verse un dividende un trimestriel. C'est une très bonne valeur qu'on peut mettre en portefeuille. On peut vraiment profiter des cours actuels pour continuer à étoffer son portefeuille sur cette valeur si on n'est pas trop exposé comme nous le sommes. Nous en avons quand même néanmoins acheté une petite ligne dernièrement. Comme je vous l'ai dit, on a eu pas mal de dividendes qui sont tombés parce que mai, juin, juillet, c'est la moisson des dividendes. On a eu un dividende le 21 avril sur Airbus, le 29 avril sur L'Oréal, le 5 mai on a eu Bouygues, le 6 mai on a eu AXA, le 18 mai on a eu Air Liquide, le 19 mai on a eu Michelin, Imerys, Schneider et le 20 mai Coface dont on parlait tout à l'heure. Le 25 mai nous aurons DBS Holding. J'ai fait une vidéo sur ce titre magnifique que vous pouvez regardez si ça vous intéresse. Le 27 mai, on aura le dividende de SEB. Le 1er juin, on aura Nomura. Le 3 juin, on aura Kaufmann & Broad. Le 10 juin, on aura le dividende Pfizer qui tombera lui aussi. Le 22 juin, on aura le dividende de Total. Le 30 juin, on aura KHC, une valeur japonaise à regarder, une petite valeur sympa. Et le 7 juillet, on aura Veolia. Donc, vous voyez que tous ces dividendes vont nous permettre de gonfler notre poche de cash et donc d'acheter des valeurs qui auront pas mal descendu puisque aujourd'hui on a quand même des valeurs dont je vous ai parlé là notamment qui se négocient à des prix attrayants et notamment une valeur sur lequel je commence à regarder si pourquoi pas on pourrait acheter quelques petites lignes, c'est Tesla. Alors Tesla,
a vraiment dévissé, hein, c'est le cas de le dire. Alors graphiquement, on a une situation graphique très intéressante puisqu'on voit que cette valeur sur ses plus hauts qui était proche de 1250 dollars n'a fait que baisser mais en dents de scie et chaque fois qu'on a eu des rebonds, on a toujours eu des très très beaux rebonds, mais chaque fois qu'on a eu des rebonds, on a eu des rebonds à des points moins haut que sur les plus hauts. Donc vous voyez, quand on a rebondi après cette forte baisse, on a rebondi, mais on n'a pas réussi, on n'a pas eu la force nécessaire à pouvoir atteindre ses plus hauts. Et ici, de même, quand on a fait un deuxième rebond avec forte baisse, la baisse a été beaucoup plus importante que la première. Et sur ce rebond, on n'a pas réussi à aller ni sur le plus haut historique, ni sur le deuxième rebond le plus haut. C'est-à-dire qu'on était encore plus bas. Même chose ici, avec un point touché en dessous de ces trois points, et ensuite une grosse, grosse baisse, on a complètement dévissé. En partie graphiquement, effectivement, comme je vous le disais, en partie parce que la valeur est quand même était chèrement payée, et aussi parce que Elon Musk avait besoin de pour acheter Twitter de vendre de gros paquets d'actions du titre Tesla, ce qui a forcément nuit au titre. Et aujourd'hui, effectivement, sur les 700 dollars et voire 653 dollars, faut se poser des questions. Est-ce que ce titre va continuer de dévisser? Personne ne le sait, moi le premier. Par contre, c'est vrai que sur cette zone entre 550 et 700 dollars, on va retourner sur des zones où nous, on avait traité cette valeur et gagné pas mal d'argent, faut le dire. Donc moi, je serais assez tenté de retenter des achats spéculatifs sur ce titre. Et pourquoi pas, si ce titre continue à dévisser, le racheter vraiment, vraiment à bon compte entre 500 dollars et on voit que la zone ici, hein, cette zone où ça s'est pas mal bataillé, 350-500 dollars serait une magnifique occasion de pouvoir se positionner sur ce magnifique titre, même si c'est un titre qui ne verse pas de dividendes. On voit très clairement que Tesla restera un constructeur incontournable dans les années qui vont venir. Alors juste un rapide coup d'œil sur le Bitcoin, hein, on voit que le Bitcoin qui reste toujours dans sa phase baissière, la moyenne de jour 12 jours ne réussit même pas à croiser. Donc je reste moi dans l'expectative d'une baisse encore sur le Bitcoin. Bien qu'il soit vraiment difficile d'envisager quoi que ce soit, on sait que les crypto-monnaies sont d'une volatilité extrême et souvent ne réagissent à aucun, on va dire, aucun paramètre macroéconomique. Donc on est dans une situation d'attentisme. Je préconise toujours l'achat en DCA, hein, c'est-à-dire d'en acheter un petit peu tous les mois. Mais ceci dit, soit on va réduire le montant de ses achats vu la configuration, soit on va carrément stopper le montant de ses achats en attendant que la configuration, alors ça peut-être durer un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, mais moi actuellement sur les crypto-monnaies, je vais cesser les achats en DCA et attendre des points plus bas. Effectivement, si les cryptos allaient un peu plus bas, j'irais même beaucoup plus bas, je retournerai sur les cryptos pour essayer d'en acheter à bon compte. Alors, tout à l'heure, je vous ai listé un petit peu les dates des dividendes que nous avons récemment reçus et les futurs dividendes qui vont tomber. Je vous encourage à faire un petit tableau de ce genre sur vos valeurs. Vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs que moi, mais d'acheter des valeurs qui vous permettent, d'après un calendrier, de pouvoir dispatcher les versements des dividendes tout au long de l'année, de façon à vous procurer des revenus mensuels qui peuvent être
plus haut ou plus bas suivant certains mois. Effectivement, les mois où vous avez de gros revenus, vous pouvez les capitaliser pour les dépenser le mois suivant, hein. Le but, c'est quand même d'essayer d'avoir des revenus lissés mensuellement, mais sur ce type de marché, on a quand même un choix important à faire sur des valeurs intéressantes. Ne lissez pas non plus vos revenus simplement sur des questions de date, hein. Donc, vous pourriez tout à fait vous faire un portefeuille avec on va dire, des dividendes quasiment égaux tous les mois, mais avec des valeurs qui ne seraient pas forcément des valeurs à acheter, à mon sens, ou des valeurs très risquées, ou des valeurs qui n'ont pas d'avenir. Ça serait une erreur stratégique. Donc, vous voyez que là, au mois de mai, on avait ici, au mois de mai, on avait par exemple 6 736 euros de dividendes à réinvestir. Nous n'avons pas totalement réinvesti ces dividendes parce que les marchés sont volatiles et en phase quand même légèrement baissière. Donc on restera attentiste, on garde une poche de cash pour pouvoir continuer à investir dans le temps en DCA, mais de manière intelligente. Vous voyez que aussi, par exemple, Realty Income est en rouge. Pourquoi? Parce qu'on est complètement sorti de la valeur et qu'on attend des moments plus propices pour revenir dessus. Mais c'est une valeur sur laquelle nous comptons rester. Donc, je ne l'ai pas effacée de la liste. C'est pour ça qu'elle est écrite en rouge. Donc, quand on regarde un tableau comme ça de dividendes avec toutes les dates des versements, ensuite, vous prenez tous ces mois, vous les additionnez sur un total et vous le divisez ensuite par 12. Et là, on voit que le portefeuille Power Trade, ça nous procure 3 830 euros de dividendes mensuel, et donc c'est comme ça que vous pouvez vous faire un revenu supplémentaire si vous êtes en retraite ou si vous souhaitez par exemple partir en retraite avant l'heure, ce qui est mon cas personnel. Jetons un petit coup d'œil sur notre portefeuille. Comme je vous l'ai dit, nous avons réinvesti une petite partie de nos dividendes. On a quand même continué d'étoffer notre ligne totale, puisque aujourd'hui on a 8 380 titres total, et ce titre a pas mal monté. Donc aujourd'hui on est pratiquement à 60% de notre portefeuille. Ça, c'est dû à la hausse du titre, hein. Et c'est pas parce qu'un titre monte plus que les autres qu'il faut forcément le vendre. Et donc, nous ne lâchons pas ce titre car je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Donc, on a derrière Total, AXA, Taiwan Semiconductor, Bouygues, Orange, L'Oréal, Veolia et Pfizer qui sont les plus grosses lignes. Et tout de suite après vient Air Liquide, Michelin, Coface, Airbus et BNP qui sont en fait qui font l'essentiel de notre portefeuille. Ensuite, quand on descend en dessous de BNP, sont des valeurs qui seront certainement étoffées dans les prochains mois, prochaines années, qu'on va conserver. Et le but, hein, c'est que pour moi, hein, aucune ligne ne soit en dessous de 1%. Et donc, on voit bien qu'on avait acheté un peu de BlackRock qui nous a un petit peu déçus d'ailleurs, mais c'est une très belle valeur. On l'étudiera certainement dans les jours qui viennent pour voir si on en rachète ou pas. Mais donc, vous voyez, jusqu'à BlackRock, on est à 1% du portefeuille quasiment, et tout le reste ne sont que des petites lignes qui ont vocation à être en phase trading. Donc on achète, on vend, on achète, on vend, et parfois certaines d'entre elles, et je pense à Tri-Beverage, Kimley et DBS Holding Group, et pourquoi pas Nomura Holding, sont des titres qui pourraient
peut-être à un moment donné passer à justement cette zone de 1% et donc des titres qu'on conservera sur le long terme, sauf bénéfices exceptionnels. Donc ce portefeuille-là que je vous présente là sous les yeux a fait 8,87% depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier, avec 64 729 euros de gains, ce qui est somme toute pas si mal. Car lui, dans le même temps, le CAC 40, il l'a fait moins 12,13%, et le CAC 40 s'est pas mal comporté par rapport au Nasdaq, hein, on pourrait se comparer au Nasdaq ou à des indices qui ont fait pire que ça, mais simplement que de se comparer au CAC 40, de faire 8,87% quand lui fait moins 12,13%, ça nous fait quand même... ça nous fait quand même 21% de différence, et donc on superforme le CAC 40 de 21%, ce qui est pas mal. Et comme vous le savez tous, hein, tous ceux qui me suivent, nous superformons le CAC 40 tout simplement parce que nous sommes investis sur une valeur pétrolière qui, elle, superforme largement le CAC 40. D'ailleurs, on le voit très bien. Ici, on voit que Total Energy fait 15,86% pendant que le CAC 40 dévisse de 12%. Alors, donc, à un moment donné, il faudra certainement trouver le moment de pouvoir arbitrer certains de nos titres Total sur des valeurs qui ont pas mal baissé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme L'Oréal et Taiwan Semiconductor ou autres. Car effectivement, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment donné où l'énergie sera valorisée, où les titres qui, comme Total, les titres qui sont classés dans l'énergie, dans le secteur énergétique, seront des titres qui seront arrivés à des prix matures. Je pense qu'on peut aller sur Total facilement, voire 60, 65 euros. Mais faut voir aussi comment Total organise sa transition énergétique, hein, envers les énergies renouvelables. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de grains à moudre et beaucoup de choses à observer avant de se détacher de ce titre. Pour l'instant, on conserve précieusement nos actions Total Énergie. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.